One of the biggest challenges of our time is to increase economic opportunities for the 3 billion youth under the age of 25 and support them to become drivers of economic development in their local communities. This is particularly urgent in Africa, where 3 out of 5 young adults are unemployed. In 2010, the United Nations Capital Development Fund, UNCDF, started to actively address this challenge. This video shows you the story of some of the youth that have been supported through our work in financial inclusion and their journey towards economic independence. Je m'appelle Kabore Ibrahim Lawili, j'ai 27 ans, je suis de Ouagadougou, je suis né précisément à Ouagadougou. Notons que je suis né dans une famille pas tellement pauvre, mais famille moyenne qui m'a accompagné dans mes études primaires, secondaires. Et moi, pratiquement, j'avais opté pour la comptabilité. Donc, le matin avant de sortir de ma chambre, c'est la première des choses que je fais. Je retourne mes œufs. Damiti, voilà, donc beautiful. Comme j'avais toujours la passion d'élever, donc j'avais un projet d'élevage que j'ai expliqué à ma maman. J'ai dit, moi j'ai un projet d'élevage, je veux concrétiser ça. Comme la famille n'avait pas les moyens pour m'accompagner, pour mettre mon projet en marche, je suis allé vers la caisse pour voir, comme c'était une microfinance, pour voir si je pouvais avoir un prêt et puis mettre mon projet en marche. C'est là qu'ils m'ont fait comprendre que non, comme je n'ai pas de compte là-bas, je ne peux pas avoir un crédit. Donc ils m'ont conseillé d'ouvrir un compte là-bas, à leur niveau, d'ouvrir un compte et de faire mouvementer un peu. Là, après le mouvement, ils vont voir comment ils pourront m'accompagner. Quand vous prenez les jeunes et les femmes, beaucoup de ces gens n'ont pas accès aux services financiers classiques des banques. Donc, les banques estiment que c'est une frange de population qui ne sont pas solvables, qui n'ont pas de l'argent. Alors que nous avons fait notre public cible, ces gens-là. Un élève de la classe de terminale, comment il peut avoir l'argent pour me monter un compte? Donc j'ai commencé avec les petits trucs, 10 000, 5 000, 1000 francs même souvent, s'il y en a, je n'ai pas épargné. Et c'est suite à cela, 3 mois après, que je suis parti le voir. Il dit, ah, j'ai un projet que je veux réellement mettre en place. Et ils disent, c'est quoi? Je dis, c'est l'élevage. Ils disent, ils n'évoluent pas dans le domaine de l'élevage. Mais j'ai essayé de les convaincre, jusqu'à, oh là là, ça aboutit. Ils sont venus, ils ont vu le lieu, ils disent que ça peut aboutir. Donc, ils m'ont accompagné. Pour l'épargne à objectif, le jeune identifie un projet et associe ce projet dans son compte qu'il souhaite réaliser dans un délai. Et il s'est paramétré dans son compte et il épargne pour pouvoir réaliser cet objectif-là. C'est grâce à l'épargne que j'ai réussi à poursuivre mes études. C'est grâce à l'élevage que j'ai pu changer ma moto. C'est grâce à l'élevage que j'ai pu payer un terrain. Parce que ici, je dirais que c'est un peu restreint. Je ne peux pas faire toutes les variétés que je veux. Donc j'ai réussi à me payer un terrain de 3 hectares grâce toujours à l'élevage. Donc je dirais que l'élevage a clairement changé ma vie. Et l'élevage est ma vie, si on peut le dire.